Voilà, bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Minecraft, de la carte vidéo ATI et du pilote et d'OpenGL et de la compatibilité de ce genre de choses-là. Alors premièrement, j'ai Windows 8 donc depuis tout à l'heure. Hein, voilà, je l'ai installé dans la nuit. Tout se passe bien. Bon, je suis un petit peu perdu parce que je connaissais pas trop, mais pour l'instant, on va dire que tout se passe bien. Suivez bien quand il vous dit de désinstaller certaines choses avant, faites-le, vous redémarrez le PC et ça passera beaucoup mieux que si vous insistez. Alors pour Minecraft, deux événements. Un, une mise à jour, une mise à jour, un patch, un mode plutôt, Far Cry 3. Donc vous allez sur Far Cry 3, vous téléchargez le mode pour Far Cry 3. Vous allez sur le site qui convient et vous le prenez. C'est gratuit, hein. Ensuite, mise à jour Minecraft donc ce qui mène Minecraft à la version 1.4.2. Voilà. Si vous vous amusez à le lancer donc avec Windows 8, ce qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez avoir comme un petit crash et en fait ça va vous dire qu'il y a une erreur avec OpenGL. Donc c'est pas grave, vous allez, si vous avez une ATI en tout cas, moi j'ai une ATI 4800. Donc ça marche avec les autres, hein. 4890, ça marche avec les autres ATI. Donc il y a un driver à récupérer sur Internet qui est le Catalyst 12.10. Donc je lis exactement le truc, 12.10 Vista Windows 7 Windows 8 32 DD CCC WHQL underscore net 4.exe. Je vais vous mettre le nom du fichier juste en dessous, de telle sorte à ce que vous puissiez l'installer. Vous n'allez pas pouvoir avoir l'icône Catalyst, vous n'allez pas pouvoir gérer votre carte vidéo, excepté pour la résolution, mais en tout cas Minecraft fonctionnera, hein, il n'y aura pas de problème d'OpenGL, il n'y aura pas de crash. J'ai pas essayé les autres jeux encore, j'aurai peut-être des surprises, je verrai. En tout état de cause, il y a sur AMD actuellement des pilotes pour plein de cartes et de systèmes, sauf pour Windows 8, il n'y a pas encore de pilote, ni pour la preview, ni pour la version officielle, pour les cartes ATI en Windows 8. Néanmoins, en cherchant un peu, donc je vous donne ce pilote-là, enfin je vous donne le lien du pilote 1210 qui est compatible en tout cas en partie pour jouer exemple Minecraft, qui est un jeu certifié Microsoft en plus, sur Windows 8 Pro. Voilà, et dernière information, si vous prenez Windows 8, prenez la version Pro. Donc Windows 8 Pro, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la version 8 Pro est compatible avec XP. Donc vous avez un panel de compatibilité d'exécution d'applications, de jeux, qui est plus grande que sur Windows 8 tout court. D'accord? Actuellement, le Windows 8 Pro est à la vente en téléchargement à 29,90 €. Vous allez sur Microsoft Store et vous suivez les indications. Vous allez l'avoir en téléchargement. Voilà. Et libre à vous après de créer un CD de réinstallation de Windows 8 et un DVD plutôt. L'image fait 2 gigas. Donc voilà, je vous conseille d'aller la télécharger et d'installer ce programme bien sûr. Et d'installer un programme officiel et d'avoir un OS officiel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci, à bientôt.